Et salut à tous! On se retrouve pour le post-game de Pokémon Ultra Soleil en random. On approche de plus en plus de la fin de cette aventure. Et salut à toi, monsieur PVC Sam! Alors, tac! Donc, normalement, on doit aller battre les Ultra Chimères qui sont pas des Ultra Chimères. Qu'est-ce qu'il veut? Motisma! Tu vas te calmer! Alors, on était où? Ah oui, on était revenu ici, je sais même pas où. Tac. Je sais même plus pourquoi j'étais revenu là. Bon. Du coup, on va retourner à Pony. Et en vrai, je peux me TP aux ruines. Est-ce qu'on essaierait pas de faire un petit tour à Sailwinder en premier? Comme ça, ce sera fait. J'ai le son du jeu qui me gueule dans les oreilles. Je sais pas si pour vous c'est plutôt assez équilibré. Si mon superbe modo peut me dire, ça serait magnifique. Alors, on va aller voir Jean-Michel Topo 36. Ah, c'est vrai que c'était déjà fait. Mais aussi, c'est un peu fort par rapport à ta voix. Ah bon? Pourtant, j'ai baissé pas mal. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Je pense. Alors, superbe modo, je suis pas habitué. Ouais, c'est mon jour où je suis gentil, là. Même si t'es un petit... je rigole. Non, mais t'es un peu la star de ce let's play, donc bon... Vous effleurez la pierre. Toko! Oh my god! Oh my god! Ah Toko! Victini, mais je l'ai déjà en plus! Victini, un peu bugué dans le sol. Tout ça pour le UCH. Ah ouais, j'ai hâte d'être faire le UCH. Et par contre, tous les légendaires qui sont remplacés par des légendaires, c'est. Waouh! Un peu abusé. Victime buggy. J'ai déjà en plus ce con. Bon bah on va tuer. Ouais, il a l'attaque de Evil Type ce bâtard. Ouais, normalement c'est Evil Type. Eh, tu vas te calmer, Victini. Hein. Pas parce que t'es légendaire que. Ah non, il est fabuleux en plus. Plus fabuleux, je crois. Hop. Danse sur la musique. Ouais bah tu danses sur tout de toute façon. Alors, vivement ce soir pour un petit game de UCH. Ça va être franchement bien sympa. Hop. En plus avec vendredi petit Among Us. Après vous. Oh tiens, ça m'a rappelé quelque chose. Bon, on s'en fout que j'ai pas d'aller mais. Oh. Et ouais, peut-être que dans la semaine, on essaiera de continuer l'aventure modée, non? Bah, continuer, voire peut-être même la finir. Donc on est assez proche de la fin, en vrai. On a fait, ouais, peut-être la moitié des boss. Et on pourrait enfin attaquer les maps aventure en attendant de faire la survie 1.17. Comme ça serait bien sympatoche. Bon, on va aller voir les petites ultra chimères. Salut les copains. Je sais, j'aimerais bien finir avec ce aspect de Pokémon Ultra Soleil aussi. Ouais tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Les pyrotechniques rôdent près d'ici. Dans la forêt de Pony. Ils doivent se sentir complètement perdus et pauvres, comme moi quand je suis arrivé ici. Voilà ce qui arrive quand on ne prend pas une mission au sérieux. Bref, tiens, quelques ultra boys pour toi. C'est des trucs qu'on doit acheter au paradis et les heures normalement. Mais je me suis arrangé pour les avoir gratuitement. Oh, business. Merci. J'en ai pour toi aussi, Tilly. Ouah, trop cool, merci. Mais au fait, pourquoi vous nous donnez ça? Vous voulez qu'on les attrape pour vous? Nous avons besoin de collecter des données sur les ultra chimères pour mieux les protéger.
Cela nous rendrait un service si vous pouviez attraper quelques pyrotechniques et en faire vos partenaires. Il semblerait qu'il y aura au moins 3 pyrotechniques dans les environs. Ils doivent être morts de trouille à mon avis, ils vont résister et pas qu'un peu. Il va falloir se battre pour les calmer. Pas de soucis, allez piquer, on y va. Les pyrotechniques ont besoin de nous. C'est Pierre. Pyrotechnique, vous êtes là? Si je parle pas à des moments, c'est normal, j'ai des coups de fil à faire. Bah, faites tes coups de fil, écoute. Oh, ultra chumer. Oh my fucking god. Oh, oh. Réfoulé, carrément, d'accord. Putain, on est dans les ultra brèches sans y être. Ça, c'est pour Théo, ça. Il aime bien les créatures. Oh ouais, on va faire un petit draco ascension. Je sais plus si je suis obligé de les capturer. Pièce. Yes. C'est Pierre Follet. Oh, 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 eh, oh, on va baisser d'un ton, mon gars. Non, il m'a paralysé. Il est méchant. Vas-y, viens là, moi je vais te fumer. Je te capture. J'ai plus d'hyperbole. J'ai pas racheté d'hyperbole. Ah. Ah. Ultra ball. Ça va jamais passer, mais c'est pas grave. Mais c'était sûr en fait, c'était sûr. Bon, pigraine. Ouais, 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 on va se calmer. Hein. Mais ça se revend cher, Stonks. De quoi qu'il se revend cher? Pas suivi. Ah, les ultra balls. Bon, tu vas te calmer là. Air de feu. Non, c'est méchant. On va pas bloquer sur un petit crifouet des familles là quand même. C'est peut-être pour ça que j'avais été dans un shop pour acheter des hyperboules. Mais lâche-moi. Ah bah il est mort. Bah on va aller chercher des hyperboles. Hein. Mais je me rappelle plus où c'est. Par ici, Pika. Ah bah... Fou, il était trop fort ce pyrotechnique, je n'étais pas prêt d'y attraper. C'est pas regrettable, mais au moins il devrait cesser d'attaquer les Pokémon pendant un moment. En attendant, nous allons devoir collecter des données en protégeant les pyrotechniques avec l'aide de la Fondation Razer. Vous avez assuré tous les deux. Mais il reste encore quelques pyrotechniques dans la nature apparemment. Ok, vous allez voir, je vais en attraper un pour vous cette fois. Pyrotechnique, vous êtes tout. Et polo. Bon, laissez-moi me soigner, s'il vous plaît. Donc je crois que j'avais été là parce qu'il y avait peut-être des hyperboles là-bas. Je sais plus. Ouais, je pense qu'on se fera les deux autres tocos dans ce stream, comme ça, ce sera fait. Il y a juste lui qui est dans le désert qui va être un peu chiant. Mais bon. Je me rappelle plus comment il y a. Hop, allez. C'est pas toi qui me vendais des hyperboles. Pas du tout. Copain boule. Ah, ça, je vais faire des copains. Bah du coup
être ici. Non, j'étais au mauvais endroit. Pas la plage. Alors, qu'est-ce qui me bande ici déjà? J'espère que c'est pas l'endroit des capsules. Sinon, bah, j'aurais fait ça pour rien. Ah, l'endroit des capsules! Déçu. Je suis déçu. Ah, mais il faut quand même des. Allez, on va prendre un centre Pokémon au pif. Genre. Celui-là. Et s'il n'y a pas de boules, bah on prendra des boules au pif. On capturera tout le monde avec des copains boules. Comme ça, tous les Pokémon seront mes copains. Alors qu'est-ce que tu me vends toi? Ouais, ouais. Donc ça c'est l'endroit des. Oh, il y a des super boules. Nice. Allez hop. De toute façon on est riche, je suis roi de façon. Hop. Nickel Miguel. Toujours mieux que rien. Hop. On retourne voir Jean-Michel TV. Hop. On va se taper ici. Hop, qu'on se fasse ce petit post-game. Comme kill. On avance un peu. Puis on ira chercher les tocos qui nous manquent. J'ai soigné mes Pokémon ou pas? Je sais plus. Ouais. Est-ce que je peux prendre l'objet? S'il vous plaît. Merci. Potion max. Spécial plus. Bon. Mon petit. Je vais te swap ton Pokémon. Vas-y. Je suis sûr qu'il y en a un là. Oui. Le retour du Créfollet. On va faire Ariane d'écume cette fois. Vampire graine. Ouais, il va être chiant. En plus, je crois que je suis obligé de le capturer. Allez hop, viens là, tiens. Oh, il reste un PV. Regarde, mets du sang. Ok. Vas-y, fais ça si tu veux. Putain, il va être chiant de se soigner. Lui. Hop, allez. Super Ball. Allez. Oh là, il va être chiant. C'est là où j'aurais dû garder ma putain de Master Ball. Allez, hop, hop, parti. Un, deux. Oh, il a fait rentrer dans le.
Mais il va me tuer cet enfoiré là. Va te calmer là. Putain. Allez. Putain, mais il est chiant de se soigner. Putain de cri follet là. Bon. Avec ton plasma bien là. Allez, on va lui faire une petite chute de glace. Génial, il me paralyse. Au moins, on lui a baissé sa vie. Hop, il y a une petite super ball. Hop, allez. Putain, mais zéro quoi. Même pas un petit. Oh, mais chiant. Laisse-moi te fumer. Un, deux, trois. Oui. Yes. Wow. Oh my god. On l'a capturé. Orbe frousse. T'es une orbe frousse, toi? Oh, vas-y, Araboule. Araboule. Pika! Tilly nous a donné son pyrotechnique. Très bien, cela devrait nous permettre de réunir des données pour protéger les ultra-chumés. Qui sait, peut-être qu'un jour ces créatures singulières vivront à Alola comme de simples Pokémon. Va falloir examiner tout ça. Merci beaucoup pour votre aide, je ne doute pas que nous nous reverrons. Allez, salut. C'était trop cool de se battre contre un adversaire comme ça. Mon oratoria aussi a adoré. Enfin bref, on rentre. Yay. Le lendemain. Meurs là là. J'avoue qu'à partir d'ici, je me suis même plus comment ça va se passe. Bon, je vais laisser traîner cette affaire trop longtemps. Maintenant que Pika est devenu maître d'Alola, c'est le moment ou jamais pour ranger tout ce bazar. Miaou, ça attaque! Pas de quartier pour les cartons. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est Tilly encore ça. Tiens, qui ça peut bien être? Ah non. Oh, qu'est-ce qu'il fout le. Oh non. Piu piu, Pika, je. Figure-toi que. Piu! Bonjour! Bonjour, déjà, pour commencer. Ah, pardon. J'étais tellement pressé que je suis entré sans même être invité. Vous êtes un ami de Pika, j'imagine. En lenté, je suis sa maman. Le maman. Sa mère. Bonjour, je m'appelle Chris. Pardon. Piu, piu. Pardon, ok, cool. Je me suis calmé. On va boire un petit coup. J'ai besoin de ton aide, Pika. Un groupe de gens bizarres a débarqué de nulle part. Et ils se sont emparés de la pièce festival. Oh mon dieu. Le château. C'est comme si l'espace s'était distordu tout d'un coup. Et ça a modifié le programme de la pièce festival. Maintenant, le château a changé de look. Que c'est classe. Ah, je savais que tu penserais comme moi. J'aime bien le côté château du boss de fin. Mais le pirate a dû utiliser une faille dans le code. Mais quand même, faut le faire pour passer à travers mon imbattable système de sécurité. On a affaire à des pros là. Pika, aide-moi.
J'ai besoin de toi pour reprendre le contrôle de la pièce festival, tu veux bien? Oh oui! Il manque qu'il n'y a pas besoin de se connecter à internet. Yes! Avec ma Dalula à mes côtés, c'est comme si c'était déjà réglé. Bon bah allez, let's go! Gloops. Attends, quoi tout de suite? Eh, je suis pas venu jouer les Toco avant. Oh! Et team à one, bravo, cat. Eh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Personne ne devrait être capable d'approcher le château Rocket. J'ai les droits d'admettre. Slash ban. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu utilises des mots compliqués pour te payer ma tête, c'est ça, hein? Bon. Pour ce que ça change, le château Rocket est sous notre contrôle. Vous pouvez rien y faire, immorbe. Si vous faites pas partie de la team Rocket, vous êtes pas les bienvenus. Moi! Apparemment, ces pirates se font appeler la team Rocket. Ma pauvre place festival est tombée entre les mains de ces noobs. Oh, ça cache. Par contre, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le château est sous notre contrôle? Laisse-moi vérifier. Ah, j'ai pigé. Ils ont ajouté une exception dans le programme qui nous empêche d'utiliser les Pokémon de notre équipe. Ah bah, ça craint ça. Comment chasser la team Rocket du château si on ne peut pas utiliser nos Pokémon? Il doit y avoir un moyen. Oh merde. Bonjour. Avec tous ces dresseurs insouciants qui se pointent sur la PES Festival, on va pouvoir se mettre des Pokémon plein les poches. Et bah, ça craint. Voilà, j'ai un Wailord. C'est quoi ça? Salut toi. Le château Rocket est une autre contrôle, vous pouvez rien y faire, il est morbeux. Si vous faites pas partie de la team Rocket, vous êtes pas bien. Ouais, personne ne peut utiliser les Pokémon ici, ni Zatru, ni nous. Par contre, on peut utiliser les Pokémon d'autres dresseurs. Merci, l'agence de combat. Alors, t'as trouvé un moyen de kick à team Rocket de la place festival? C'est quoi l'astuce? Faut prendre ça. Alors, t'as trouvé moyen. L'agence de combat. L'agence de combat. Eh, mais t'as raison! Les règles de l'agence de combat permettent de combattre avec l'équipe de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas grave si on peut pas utiliser nos propres Pokémon génie. Attends un peu. Accès des bugs administrateurs. Redémarrage du programme d'accueil. Est-ce que les Pokémon vont être random? Ça serait tellement drôle. Et hop, je nous ai donné les droits d'accès à l'agence de combat. Désolé, mais je crois que c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Vas-y Pika, bah t'es manqué grâce à l'agence de combat. Moi je vais essayer de récupérer tous les droits d'accès entre temps. Bonjour. Bienvenue à l'agence de combat. À l'agence de combat, vous pouvez emprunter les Pokémon pour combattre avec les invités dans notre place festival. En tant qu'agent, vous monterez en grade à mesure que vous remportez des combats. Les Pokémon. Nanana. Votre mission est monter en grade pour devenir le meilleur agent. Nanana. Ouais, mais je veux pas me connecter à internet, moi. Attendez, je peux pas sauvegarder? Ouais, parce que si si on se fait kick, ça va être un peu chiant, quoi. Bienvenue à l'agence de combat, commencez par vous. Oh, je ferai du sable. Choisir un Pokémon. Wailord. Ensuite, il vous faut trouver des coéquipiers pour vous accompagner au combat. Les personnes ne sont disponibles. On peut pas. Ah. Pokémon Rainbow Rocket, c'est ça. Wouh! Ouah, les lunettes de soleil. Laissez-moi vous présenter vos coéquipiers. Waouh! Mais quelle bande de beaux gosses! Et c'est moi, ça est le programme de combat type Team Rainbow Rocket.
Oh, t'es qui, toi? Je vais t'apprendre le respect. Eh, hey, tu vas te calmer. Perçu, je voulais pas. Hein? Spire de la team Rocket de se battre. Rat-attaque. Ok. Ouh, j'ai que ça. C'est quoi? Attends. Comme ça, fait tomber l'ennemi dans une crevasse. C'est pas ça possible. Oh. Vive attaque. Waouh. C'est pas random, je crois. Enfin, les Pokémon. Oh, c'est nul. C'est mieux quand c'est random. Putain, il y a une bête. Du attaque. Hop. Un Arbok. Est-ce que on a de la chance? On tente si on a de la chance. Oh non, pas ça. Mais lâche-moi. Attends, on a quoi comme autre Pokémon avec mes collègues? Mamochon, Goupel, hein. Oh. Allez, qui crève. Ouais, bon. Bah, c'est bien cascade. Aïe. C'est quoi qui fait plus de dégâts entre les deux? 90, 80. Allez, psycho, go. Voilà. Nosferatu. Allez. Crève. Oh, il va être un PV. Oh non. C'est cruel. Allez, crève. Hop. Pas mal. Ta 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 ta. Oh, il y a du monde. J'y crois pas, moi, perdre contre un Minus. Mais c'est de la triche, c'est pas du jeu d'utiliser des Pokémon d'autres personnes. Zut, et vous là? Protégez le château Rocket coûte que coûte. Il y en va du peur de notre boss. Ok, on a réussi, reboot du système. Attention, ça va aller vite. CH Kick Ban Team Rocket. Hop. Allez, ça dégage. Et voilà, programme réglé. Merci pour ton aide, Pika. J'ai pu reprendre mes droits d'administrateur pendant que tu détournais leur attention. Je vais coller un bon ban permanent. Je pense qu'on les reverra pas de sitôt. Je vais profiter pour tout remettre comme c'était avant. Les châteaux. Bah, c'était pas des gens bien, mais faut avouer qu'esthétiquement, ils étaient au point. J'ai ajouté leur design au thème. J'ai préparé des données de boss pour aller avec le château. Si tu veux changer l'apparence du château, augmente le rang de ta place festival. Et puis quand même, après avoir réussi cette quête, t'as bien mérité la récompense. Waouh, un bouton fuite. Heureusement que tu étais là quand même. Allez, on rentre.
Bon, voilà, on a fini ce post-game. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve ce soir pour du CH random. Bien. Regarde Pika, bien vu, ça a pris un nouveau tour l'autre jour. Waouh, il peut allumer une télé. Bien vu, ça lui met télé. Waouh, t'as vu comme il est habile. Il est habile. Il m'a probablement vu me précipiter pour regarder mon feuilleton préféré et il m'imite. Flash info spéciale. La fondation Elzer tient une conférence de presse à propos du nuage noir qui est apparu au-dessus de Pony. La présidente va prendre parole. Nous comprenons que le nuage noir ayant englouti Pony suscite les inquiétudes de la population. La source de cette obscurité a été identifiée. Il s'agit d'un Pokémon répondant au nom de Necrozma, mais dont nous ne savons rien de plus. Cette créature a quitté cette dimension pour venir se nourrir de la lumière d'Alola, en traversant ce que l'on appelle une ultra-brèche. Chuchotement, Necrozma se nourrir de la lumière. Oh, mesdames et messieurs, du calme, je vous prie. Un dresseur courageux et volontaire a déjà repris le contrôle de la situation. Alola ne sera pas dévorée par les ténèbres. Flash, flash, wow. La fondation Heather continue son étude des ultra-brèches afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir. Concrètement, nos recherches portent sur que... Mais ce n'est pas possible! Mais si, c'est possible avec la carte ultra-brèche. Une ultra-brèche ici? Mais... Ah bah bravo, Onis! Bien joué pour la caméra! T'es vraiment un champion. Ah! Qui êtes-vous? La fondation de votre monde possède des technologies fascinantes. Je sens que vous serez une grande utilité à la Team Rocket. Ou plutôt, à la Team Rainbow Rocket. Est-ce vous qui avez ouvert cette ultra-brèche? Attendez! Je vous somme de vous arrêter! Madame la Présidente, revenez! Bonne, oh, je me casse. Allô, les studios? Me recevez-vous? La situation est très confuse ici. La Team Rainbow Rocket? Est-ce une sorte de happening? Nous tentons d'en savoir plus. Nous le saurons après la pub. Épisode RR. Waouh! C'est avant XY. Oh là là, trop de blagues. Les programmes télé de nos jours, franchement. Oh là là. On croirait toujours BFM TV, lol. Quoi? Pas très charlie tout ça. Tiens, qui est-ce? C'est Tilly. Ah non, c'est Lily. Bon, on n'était pas loin, il y a les i qui vont avec. Ah bah, bien joué, Nice. Pika. Alola, ma petite Lily. Ah, Alola, je suis désolé d'arriver ainsi sans avoir été invité, mais... C'est la panique à bord. Pika, est-ce que tu regardais la télé? T'as vu ce qui s'est passé? J'ai tout vu. C'était terrifiant, une ultra-brèche s'est ouverte et... Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé ensuite. C'était peut-être une mise en scène, une pub pour quelque chose ou que sais-je. Je suis sûr que Mère ne court aucun danger, mais... Je veux en avoir le cœur net. Je me rends au paradis Heather. Excuse-moi encore pour les dérangements. Tout le monde s'accouche sans être invité. Ah bah c'est en ce moment, c'est porte ouverte chez moi. Lol. Oh, elle est déjà partie, quel dommage. Pauvre Lily, elle avait l'air inquiète. Pika, tu veux bien t'assurer qu'elle va bien? Est-ce qu'on n'irait pas chercher les deux derniers tocos? Ça serait bien, non? Moi, je suis chaud. Est-ce que je suis soigné? Ouais, normalement, je suis soigné. Même qu'il dit ça avec un énorme sourire. Oui. On va faire le désert en premier parce que c'est plus chiant. On va faire les deux tocos, on sera tranquille comme ça. Moi je vais au bout des choses, je suis comme ça dans la vie. Hop. Allez, on retourne à la ligue. Non, j'ai quatre. On va se souvenir.
Bonjour. Oh, c'est un cristal Z de type Skek que tu as là. Bravo, laisse-moi donc t'ouvrir le chemin. Oh putain, le désert. Oui. Et pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve de magie, laisse-moi te faire un petit cadeau. Dis-moi si tu peux. De l'eau fraîche. J'aime quand c'est frais. Et une eau fraîche, une. Oh, merci. Le frais de la loi est importé de l'étranger par voie maritime, avec toutes ses taxes et autres frais de port, et finit par contre par coûter bonbon. Et ça, c'est pas top top. Il n'en reste pas moins que l'eau fraîche de la grotte argentée est vraiment délicieuse. Et comme je suis aussi, je te donne ça aussi. Utilise un bon fou. Merci. Merci. Ouais, bon, c'est bon, Adam, pareil. Je vais pas faire un deuxième post-game. C'est lui qu'il faut parler, je crois. Nanana, t'as une possession, il faut céder des monticules de pierre. 2, 1, 4, 3. J'aime le sec. Ouais. Donc, 2, 1, 4, 3. Oh. Je me suis fait agresser. Oh, un Yanma. Oh, c'est galéré que je lui avais pas parlé. Ah, bah, je crois que moi aussi. Oh non, c'est comme les grottes. Bah au moins on voit un petit peu ce qu'il y a ici. Je ne connais jamais. De toute façon ils sont au niveau 35. Ils vont pas nous faire grand chose. J'ai déjà oublié. 4, 1, 4... Non. 2, 4... Non. 2, 1, 4, 3 c'est ça. Je crois que c'est 2, 1, 4, 3. Donc là il y a 3. Oh putain, l'équipe devra casser toi. Avec tous les Pokémon sauvages, j'aime pas ce tournoi. Deux. Ah, je vroom. Ça fait boum boum. Bon, laisse-moi s'il te plaît. Merci. Donc, 2. Est-ce que c'est par là? Je sais pas. Au secours. Et j'ai pas de repousse. Deux. Un. Oh, un du hit. C'est mignon. Normalement, c'est 4 et 3. Putain, mais y'a plein de Pokémon ici! La vache! Hop!
on va éviter de monter pour pas casser notre chaîne. Donc on n'a pas trouvé 4. Hop, nos délits, dégage s'il te plaît. Oh! T'es qui toi? J'ai tout donné, je suis comme un astéroïde qui s'est consumé en traversant l'atmosphère. Je me rappelle plus de rien, je n'ai aucune idée de comment rentrer chez moi, je ne sais même pas qui je suis. J'ai beau fouiller au plus profond de ma mémoire, je ne trouvais rien, si ce n'est une vague silhouette de Pokémon vacillant taille un mirage. Ce que Pokémon, comment s'appelait-il? Son nom qui évoque le soleil, seul quelque chose. Une silhouette circulaire rappelant le soleil, des yeux rouges et perçants. C'est tout ce dont je me souviens du Pokémon qui autrefois veillait sur moi. Qui chemin je pouvais le revoir, peut-être que mes souvenirs referaient surface. Je suis obligé d'aller en haut en fait. Ouais, il veut un Solarock. Un Solet truc, là. Un Sol. Sol Galéo, lol. Bon bah on va monter. Bon, 4-3. Oh fuvetin. Tant de Pokémon par ici. Mais laissez-moi. Ouais, grosse bouche. Laisse-moi tranquille. Tu n'auras jamais la paix. C'est horrible. 1. Évidemment, c'est plus loin le 4. Hein, évidemment. Évidemment. What? Et tu fous là, toi? Il se balade dans le désert. D'ailleurs, je vais mettre le speedball. Ou des rapides boules. Ah ouais, ils me restent bien. 7. Vas-y, j'envoie et après on se bat. On se barre. De toute façon, on le rappeau. Mais quoi? Je pensais pas la voir, putain. Bah c'était pour rire. Ouais, on le veut en expédition, lui. Putain. C'était une blague. Bon. Ouais. Quatre. C'est là-bas. Huit. Oh, un Tritox. Bah, puissance de 4 au premier au cinquième tour. Quoi? Pas compris.
Ok, 4. Allez, plus que 3. Faut trouver les 3 pierres. On approche de la fin là. Et encore des nouveaux Pokémon. Ça n'en finit pas. Il y a beau une certaine puissance selon le nombre de tours. Ah, ok. Ouais, mais quand même, c'est un légendaire. Alors, on va faire une petite sauvegarde. J'ai pas envie de tout me retaper. Quoi? Ne me dis pas que je me suis trompé d'endroit. Hein. Mais what? Putain les gars, je suis paumé. Je suis paumé. Mais je suis où? Bon bah on finira ce stream perdu dans le désert. Voilà. Et à la fin d'aventure, c'est nous qui crevons dans le désert et à la recherche d'un Pokémon légendaire. Triste fin. Attends. Je crois que c'est là. Vers toi. On y est! Oui! On a trouvé! Finalement, c'était ça. Yes! Et on aura fait tout ça pour un ratata. Alors. Mais bon, on a réussi. Wow, qu'est-ce que je fous? J'ai découvert un truc que j'ai jamais fait. Et que je m'en bats les couilles. Bon, c'est parti. Ta-ta-ta. Toco. Oh my god. Vous êtes trompé d'endroit, madame. Vous êtes trompé dit, je crois. Vous êtes trompé dit.
rafale feu. Oh merde, un toco dans un endroit où tu rencontres un toco. T'as vu? Mais j'ai l'impression que tous les légendaires sont remplacés par des légendaires. N'importe quoi. Oh bien. Vas-y, pour tenter. C'est de la merde. Ouais, oh, on va se calmer là. Déjà, tu d'où tu fais ça, t'as pas de pied. Super Bowl, c'est parti. Oh merde. Bon, au moins il se soigne pas. C'est déjà une bonne chose. Hop. Allez, viens là. Qu'on aille au dernier. 1 2 Oh putain. Aïe aïe aïe. Allez, viens, rentre dans la Pokéboule. Comme ça, après, on va au dernier. Et puis, on pourra continuer le post-game. Et fumer la Team Rainbow Rocket. Oh, ouais, fais pas ton bâtard. Wouh, reste 10 PV. Reste 23 PV. Allez, rentre, rentre. Toco, Toco, va te faire foutre. Ah. Mais c'est ça, mais mort. Oh my god! Ectoplasma, eh bien là! Il reste 3 PVC, Sam. Oh putain, il fait des jeux de mots sur son propre pseudo. Allez! Allez, tu rentres. 1 2 Ah, mais. Putain, bien fait, mis sous entrave. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? 1 2 Putain, il veut pas aller à 3 cet enfoiré. Et hop, ça m'affecte pas, bien. Tu es hébergé sur la chaîne de Gab. Ouais, bah je sais, il l'a dit la dernière fois. Bah ça fait pas venir plus de monde. Hop, hop. Ah je sais, vu qu'il stream pas, c'est que je suis hébergé. Sois logique, Michel. Allez. 1 Putain, mais il va me casser les couilles. Mec, tu mets l'appui, tu fais rafale feu après. Ah, un peu con.
Allez, 1, 2. Ah, mais sérieux, toi? Putain, quel enfoiré. Allez Gab, envoie-moi ta chance. La chance de Gab. Allez, vas-y. Allez Gab. 1, 2. Non Gab. Allez, vas-y. C'était juste un entraînement. Tu peux me renvoyer ta chance. D'accord. Bah, je vais arrêter de compter sur toi, Gab. Putain, il veut pas rentrer, quoi. Oh, mais allez, oh, Toko. Je sais plus s'il me reste une chronoball. Hein. Putain. Oh, bien joué, Gab. Il me reste chronoball. Non, je fais plus de chronoball. Est-ce que ça compte comme un endroit sombre? Je faisais quoi? Peut-être une grotte. Mais je sais pas. Bon bah go tenter. Un, deux. Putain. Bien joué Gab, il évite encore. Ah putain, mais elle veut vraiment pas aller à 3 quoi. Non Gab. Allez, en plus de tirant. Hein. Oh, il m'énerve. Vas-y, mieux casse avec ton coup. Méchant. Bon. On va essayer une sombre boule. Oh. Il a rien sur les gens en un coup. Et lui, il faut 30 000 Pokéballs. N'importe quoi. Bravo Michel.
Oh, moi un peu de ta chance. Toi t'as plein de chance. Tu vas pas faire Rapid Ball au début. Si, je vais faire en 3e. T'as plein de chance toi. Tu me voles ma chance mais. Bah 3 c'est déjà. Ça baisse déjà la chance. Ouais bah c'est pas toi qui décide, ok. Quoi que j'ai de la chance. T'as de la chance car car t'as eu un paquet à shiny. Je vois pas de quoi tu parles. Allez mon petit score vol. Je sais même plus où il est sur la dernière rue, l'autre dernier topo. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Et il fait des attaques qui affectent pas, c'est bien. Allez. Putain. Non, t'enverras pas le message. Ah. Oh, elle va te faire foutre, c'est au courant. Elle va te faire foutre. Oh mais vas-y, faut refaire ça en plus. C'est vraiment le pire endroit. Eh bah je t'emmerde. De toute façon, c'est un connard. Bon. Non, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Donc celui-là. Ah, bébé, c'est là. Il faut que je me soigne. Bon. C'est ici qu'on tape. En plus il me voit mes phrases. Alors, hop. Bon, bon, on va profiter pour voir ce qu'il vend ici. Mais que je sais plus. Ouais, ça c'est un dégât. Alors, viens là toi. Qu'est-ce que tu me vends? Pierre soleil, photo rouge, le santon, tartan kit. Oh bah c'est là qu'il y a les chronoboules. Allez, vas-y.
Hop. Oh merde. Allez. Oh, il y a encore plein de trucs comme ça. Allez, c'est moi me barrer. Allez, le dernier, c'est parti, c'est pour lui. Est-ce que c'est un autre toco, lol? Ah! D'accord. Oi. Oh ouais, tu vas te... Ah mais on va te faire foutre. Alors... non pas ça. Bah c'est canon, le toco a perdu et Zeruid a pris sa place. Ouais, c'est un peu logique. Ouais. Pourquoi c'est pas si simple d'habitude là? Oh. Chant. Oh. Il veut une nouvelle attaque, lui. Ouais, il va te faire foutre. Hop. Non, je te veux pas. Boost. What? Il y a une boule. Bon, soit on s'en fout un petit peu, mais... C'est rigolo. Bon, allez, on se casse. Bon, mais la direction est paradisiaque. Non, soigne moi toi. Mais soignez moi. Ah non, non, non mais j'en veux pas. Je veux que tu me soignes. Je veux pas me soigner. Tiens, il veut pas me soigner. Bon bah on reviendra après. Salut les gars. Pareil les meufs. Pika, c'est terrible, mère, paradiseur, tout est... Ça ne va pas? Pardon, pardon, c'est tellement... Pika, quel soulagement de te revoir, laisse-moi t'expliquer. Nous avons organisé une conférence de presse pour expliquer l'origine du nuage noir de Pony. Mais une ultra brèche s'est soudainement ouverte, une organisation fort louche s'est emparé du manoir de la présidente. Les individus se sont présentés sous le nom de Team Rainbow Rocket. Lorsque je voyageais dans la région de Kanto, j'ai entendu un nom similaire. Une mafia nommée Team Rocket exploitait les Pokémon et commettait des crimes odieux.
Je soupçonne que cette organisation s'est introduite à Alola pour de terribles motifs. Mais arrête donc le tâche de cette Team Rainbow Rocket. Ça ne va pas, qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, bah, elle a l'air d'aller bien, regarde, elle est toute blanche. Nous avons étudié différents plans pour sauver la présidente. Mais l'ennemi est d'une puissance écrasante. La situation est particulièrement préoccupante. Pire encore, nous ne savons toujours pas pourquoi cette organisation a pris d'assaut la fondation. Et nous ne connaissons pas, bah, j'ai fait tomber le tabouret. Pour ces revendications, je dois sauver mère, je ferai tout mon possible. Mais nous sommes si peu nombreux. Pika, peux-tu nous venir en aide? Merci, avec toi à nos côtés, nous sommes plus forts que toute une armée ou même deux. Il n'y a même pas d'émotion sur un visage autre que la joie. Bah ouais, elle est tout en contente de toute façon. La Team Rainbow Rocket rôde dans les parages, voici ton remontant habituel, tu en auras bien besoin. Non mais je veux que tu me soignes mes Pokémon! Fais de l'attention à vous deux. Promis, mais soigne-moi mes Pokémon! Ils sont bonnes qui sont encore barrés. C'est bon, tu veux bien maintenant? Putain, mais MK c'est cool! Putain, tu veux pas me soigner toi? Je sais pas qui c'est, mais. Le bâton pourrait. Mais je veux pas de ton bâton! Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ton bâton? Ouais, bon, allez, dégage. Il reste encore des gens de cette fondation. Eh, hey, vous deux là! C'est le territoire de la Team Rainbow Rocket d'ici du balai. Oust! Et toi, je vais te fumer. Je vais me chercher de ce malotru, Pika, je te rejoindrai plus tard. Mais je voulais fumer, moi! Laisse-moi fumer! Je te fume! Bon, bah. Faut pas y fumer. La Team Rocket est de retour en train de trembler pour devant notre toute puissance, moi. Va chercher parce que c'est un bâton. Oh bah ils sont changés la Team Rocket. T'es tarte. Eh tiens, ça me rappelle Pixelmon le. Allez, dégage de là. Y'a le Team Rocket en vacances. Y'a le Team Rocket en vacances. Oh, pas tapé. Ok, ok, c'est pas. C'est toi qui es tout puissant. Quand la victime. Putain, ils nous refont la Team Skull. Oh, regardez-moi ce petit bout de chou. Tu t'es perdu, tu veux un bonbon? Waouh, on est côté à Team Ace. C'est n'importe quoi. Trioxyde. Ok. J'aimerais bien me soigner, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Wouh! Y'a qu'à une rive, fille de pute! Oh! C'est ce Sam qui survit. Live Vador. Putain, j'ai cool. C'est plutôt moi qui me suis perdu. Allez dans ta tête. Il y en a plein. En soi, maintenant que j'ai battu la ligue, je m'en fous. Je peux utiliser le truc. Potion max.
de shiny en échange chaque épicier. Tiens, et après tu dis que t'as pas de chance. Oh, ils sont modifiés, château. Notre plan est plus que parfait, y'a plus de futur. Pour toi, abandonne. Oh, y'a des grands-mères dans leur armée. Caracli. Shiny. Ah, dommage, y'a pas la ceinture blanche. Blood. Ouais, je suis plus rapide. Et hop, t'es mort. Oui, bah quoi, 90% de chance de tomber sur un shiny avec un mushroom, bah ici. Ouais, bah écoute. Notre plan était peut-être un peu imparfait sur les bords. Ouais, parce que tu peux avoir des bisbales aussi. Et toi, tu veux savoir comment on a fait pour envahir la fondation, hein? On a tout bien la télé, bande de nuls. Encore des grands-mères, mais avec des grands-mères dedans. Espère que ton Givrali envoie un infali. C'est rigolo. Draco ascension, eh mais va te faire foutre. Tu veux t'as joué à Draco ascension, bah ça joue Draco ascension. Ah, ça fait pas les mêmes dégâts, hein. Waouh. Pika. Le manoir s'est transformé en château, qu'est-ce que ça signifie? Serait-ce l'influence de Ultra Brèche dont parlait Madame Vicky? Ne faites pas qu'est-ce que tu fais toi? Monsieur Sobon, que faites-vous ici? Cessez immédiatement de vous opposer à la Team Rainbow Rocket. Que voulez-vous dire? Si la Team Rainbow Rocket investit le paradis des heures, notre fondation pourra se développer et sauver encore plus de Pokémon. C'est exactement le coup de pouce dont ma carrière a besoin. Ah, quel heureux coïncidence, vous ne trouvez pas? Monsieur Sobon, ne me dites pas que vous... Mais oui, très cher Lily. Je reconnais là cet instinct qui vous a poussé à sauver Gosmog, des griffes de la fondation. Vous avez parfaitement compris. Je collabore activement avec la Team Rainbow Rocket pour assurer une passation des pouvoirs rapides et sans heurts. Monsieur Sobon, vous nous trahissez! Mais la fondation Heather n'est pas votre marchepied pour vous assurer une situation. Cessez immédiatement vos activités et rendez-vous. Au nom de la loi, je vous arrête. Quel dommage que votre intelligence n'égale pas votre instinct, mademoiselle. Oh, ça cache. Je sais bien que si Gadzio... ou le petit-fils du doyen salut au maître d'Alola, je n'aurai que peu de chances de sortir victorieux. Mais si vous, mademoiselle, êtes son seul renfort, la victoire m'appartient déjà. Je compte sur vous pour lui rendre des bâtons dans les roues, comme vous savez si bien le faire. Je ne suis plus la même depuis mon voyage aux côtés de Pika, et je vais vous le prouver. Puisque vous le prenez ainsi. Les gens m'appellent l'ultime bastion du paradis Heather. Le grand directeur Sobon va vous montrer la dualité du monde des adultes. Oh oui! Un petit 2v2 avec Lily. Qu'est-ce qu'elle va avoir, lui? Et là, elle va nous sortir un saut Galéo. Ça serait logique et drôle. Mais quand même. Oh, elle a ramené sa maman. Oh putain, c'est Pokémon. Sauf qu'il pouffe à rampe. Il va nous sortir un méga parent l'autre.
Allez, Didi. Vas-y, Didi. Germignon. J'ai un meilleur quand il faut gagner. Salut. Mais Germignon, gars, t'es déjà mort là. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu me sors un Germignon là? Putain, mais elle a même pas d'autres Pokémon. Lily, qu'est-ce que tu fous? Oh bien. Bon, oh, c'est Sam, tu vas mourir, mais ce sera pour la bonne cause. Oh! C'est Sam qui évite tout. Un petit tard, ouais, bon, ok, lui, c'est pas une menace. Ok. Alors toi déjà, si tu pouvais te paralyser, ça serait cool. Mais sérieux toi ? Mais non! Putain, mais quel connard ce Farampe. Mais d'où j'ai la trouille? En gluttirant, qu'est-ce que tu fous? Putain, mais en gluttirant. Bon, on va sortir la grande artillerie. Ah mais nique ta mère. Ouais, ça dégage. Mais d'où il est plus rapide? Ouais, bien Scorbol. Bien Gab. Dracolos. C'est quoi? Hop. De contrat, on va vite se calmer. Ouais. Pied voltige. Ok, tu veux te jouer comme ça mon gars.
C'est tout. Oh bien. Oh. Oh lolo. Allez, ton dernier. Feu glacé. Oh. Je vois. En vrai. Allez, on va remplacer par chute de glace. Un zigzaton. Sérieux mon gars, tu finis là-dessus? Oh. Bon moi je me suis fait un V2. Cela fait fort longtemps, que dis-je, une éternité. Moi si je peux dire gloops, 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 gloops. Vous m'avez vaincu et alors, cela ne change rien. Les ultra-brèches sont rentrées en résonance avec les aspirations de grandes pontes d'autres mondes et ont permis de créer l'organisation la plus puissante et la plus effroyable qu'on puisse imaginer. Évidemment, rien n'aurait été possible sans les merveilles scientifiques d'Aizer qui pillent outrageusement. Bah, amusez-vous bien à débattre inutilement les enfants. Pika, allons-y. Je veux me soigner. Soigne-moi. Va te faire foutre. Je veux me soigner, je veux me soigner. Je veux me soigner. Mais laisse-moi me soigner! Bon bah. Pas le choix. Si avant on pouvait soigner à l'autre la meuf. Non, on peut se soigner à la meuf, je te dis. Enfin, on pouvait. Si je te dis, tu vas voir mes autres slimes et tu verras. Plus ça me fera des vies. Toi, nique ta mère. Ouais, bah il est mort. Elle l'a tué. Elle l'a tué. Merde. Bah tiens, une petite sauvegarde. Wow. Quand il fait à cette chambre, tous mes souvenirs d'enfance. Nous devons atteindre la pièce du fond, mais la porte miroir ne s'ouvre pas. Retournons à l'entrée, il y aura peut-être un autre moyen de s'y rendre. On peut dormir là. Non, on peut pas dormir. Des intrus! Je vais vous faire regretter de vous être frotté à la team Rainbow Rocket. Team RR, en avant! J'ai pas peur de vous. Ah ouais?
Je vais te faire voir, je vais te faire avoir peur tout le mois, tu vas voir. Allez, du balai, la princesse. Eh, vous vous croyez où là? Oh, Guzma, Guzma, Guzma. Monsieur Guzma. Place au boss de tout, que tout le monde déteste. Celui qui a adoré 4 de tête. Mec Bling et Sap de Mac, c'est Guzma qui débarque. Eh, je te connais, toi. T'es boss de feu, t'es le boss de feu de la Team Skull. Les petits loups bardalo là. Qu'est-ce qu'un vaurien doublé d'un raté vient chercher au château Rocket? Tu t'es perdu? Tu cherches ta momo? Oh. T'as pas complètement tort. J'ai plus rien. Même plus mes lascars, je suis plus personne. Mais même si je suis un raté, il y a des limites à pas dépasser. Quoi tu touches à ce qui compte pour moi, faut t'attendre à des dégâts. Eh hey, Pika, bouge et donne-moi un coup de main. Oh oui, vas-y Guzma. On va le fumer. On va les fumer. Elle va nous sortir un légendaire, on va rien comprendre. Ah. Il y a un assistant d'épreuve. Oh, ils sont deux Pokémon. Colossinge et Steelix. Oh la vache. Allez, go. C'est parti. Oh, Tyrannosif. BG, BG, BG. Oh bien, méga tir nocif. On va les fumer. Tyrannosif, bah, je défonce. Waouh, méga Steelix. Il est méga stylé. Allez, Colossinge, tu vas te calmer. Hop, ça c'est fait. Éruption. Oh. Bizarre. Non. Pas bizarre. Putain, le coup critique en plus. Tu veux te la jouer comme ça? On va te la jouer comme ça. Allez, dégage. Allez, pas touché à mon Rayquaza. J'ai perdu contre un minable de la Team Skull. Allez, dans le cul. Un gamin et un loupard, ils gagnent contre la Team RR. Impossible. On s'est fait balayer. Merci monsieur Guzma. Bon, pas besoin de me remercier. J'ai fait qu'annihiler des minables qui me revenaient pas. Allez, bougez-vous. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, les mioches? C'est vrai. Laissez-moi soigner tes Pokémon. Oui. Je t'aime, Lily. Ils sont vraiment trop forts pour moi. Mais je suis là pour te soutenir du mieux que je peux. Viens me voir si tu as besoin de soigner ton équipe. Yes. Allez, viens, Guzma, on va fumer des gens là. Oh non. Waouh. C'est quoi tout ce monde? Allez, on se jette tous sur l'intrus en même temps. Baston! Oh la solitude! Oh la grand-mère! La solitude de la grand-mère! Galeking! Mec! Tu t'es pris une solitude!
Aïe, tu mérites de crever. Oh, Draco Marteau. Tu vas te calmer. Ouais, mon petit super robot est bien là. C'est tout. Bon bah... Je suis essayé de deux scores. Voilà. C'est pas grave, il va mourir. Je vais lui renvoyer ses jets de vapeur, il va rien comprendre. Hop. Ah, 66, merde. Mais pourquoi personne n'a suivi? Les copains, on avait dit qu'on attaquait tous ensemble. Désolé, mais elle était partie trop tôt, on s'était pas mis d'accord sur le timing. Et bah si c'est comme ça, plan B. Ah mon signal est 3, 2, 1, on va en retraite. Putain. Bon bah allez se soigner. Tant qu'on est à côté. Gusma, tu veux pas venir avec moi? Non? Plus que ça change si on va à gauche ou à droite. Bon, on va commencer par la gauche, là-dessus. Hop. Allez, Mathieu, en haut ou en bas? Dis-moi tout. J'attends ta réponse. Et vu que je sais déjà que tu vas dire en haut, bah, je me prépare. Oh, enculé. Oh putain, il faut la petite pause. Putain, il m'a renvoyé au pire endroit. Allez, on va retourner en bas. Hop, on retourne en bas. Et voilà. Comment tu as fait? Hein? Comment tu as réussi à tromper la vigilance du sbire, le mur des sbires? On avait prévu ce cas de figure, allez. On sait ce qu'on a à faire. Allez, wouh! Bonjour. Eh, mais on devait être prendre un sandwich. Elle est passée où, ma collègue? Bon, bah tant pis, c'est arrêté. Et t'as arrêté tout seul. Ouais, mais non. Feu faux rêve. Les petits Draco Ascension. Mais ils sont tous Draco Marteau. C'est quoi ce bordel? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop, voilà. Ce moment de solitude.
Vas-y, moi je vais l'autre. Où est-ce que je suis? Bonjour. C'est tellement honte de m'être fait avoir comme ça. Allez, on oublie et on se bat. Ouais, le mec il est venu en vacances. Non, 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 dans Château Hazard. Encore! Ils ont des dégâts King, c'est pas possible. Oh putain. Ah mon petit ectoplasme. Et c'est tout. Ou critique en plus. Même ça, ça fait plus de dégâts quoi. Allez, tiens, bien fait. Allez, crève. On va se soigner parce que. Il y a étude, merci, mais non, merci. Pardon. Mais go, on passe par en haut. Oh, un rappel. Merci. Ouais, c'est reparti. Est-ce qu'on va se faire celui qu'on a vu tout à l'heure? What? Bon bah allez, bien ok. Qui va là? Inspecteur Gadget. Beto chef. Parfait. Encore des gens. Eh hey gamin, je vais t'apprendre à respecter les adultes. Je vais te fumer, bâtard. Oh, une grand-mère. Oh
Adieu, Doudouvet. Hop. Et il m'a traité de précoce, enculé. Mais dégage. Ouais, un objet. Défense spéciale. Oh, merveilleux. Bon, allez, on va aller défoncer celui qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Ouais, tu veux toujours te battre, sinon? Ouais, de Pokémon. Pour Aigon Z. C'est quoi après celui-là? C'est un jeu Pokémon. Clin d'œil, clin d'œil. Souplesse. Lequel? Un jeu qui commence par Pokémon. Alors qu'est-ce que tu vas m'envoyer toi? Ouais, bien gars. Tu veux un indice? Il y a Pokémon dans le titre. Ronflex. Ok, bien là, on est tirant. Putain, il y a pouvoir lunaire. Putain, il peut pas être paralysé en plus. Oh. Alors, ban PVC Sam. Il est pas mort. Oh, confus, oui. Allez. Oh, la vive griffe. D'accord. Bah, va te faire foutre. Lance soleil Michel. Ouais, on s'en fout un peu. Ouais. C'est vraiment pas mon jeu aujourd'hui. Allez, dégage. On arrive au bout. Bon bah on va se soigner. Que j'aime le soin. Putain, le mur là casse les couilles. Hein. Il est mort qu'on ait pu revenir ici. Hop.
Parfait. Hop. Et voilà. Une petite sauvegarde. Bonjour. Je dois faire une bonne figure devant mon supérieur. Sbire le touriste. C'est un karatéka. Mystère. Ah ouais, d'accord. Bah adieu Mystère. Hop. Pardon monsieur manager, j'ai joué. Je dois montrer que je mérite ma promotion, surtout devant l'un de mes subordonnés. Oh, eh, hey, oh, tu mesures, tu te calmes, hein. Samurai. Il crève. Oh, il est pas mal. Laser gas, putain. Allez. Mets son truc sous entrave. Il y a pas mis, mais c'est pas grave, il va crever. Oui. Franchement, pas merci de m'avoir fichu à honte devant mon subordonné. Allez, bien fait. Bon, finalement, on va aller se re-soigner. Bibes aller-retour. Attends, ouais, je suis où? Ah merde, je suis descendu au lieu de monter. Est-ce que ça change quelque chose si on va en haut? Je sais pas. Ouais. Hop. J'ai envie de jeter vite fait. Je peux même pas redescendre. Rusticrane.
vais partir par là. Quoi? What? C'est un Pokémon sauvage? Nul. Faire. Je suis paumé. Mais reviens là. Attends, je vais le prendre maintenant. Ah non. Bon bah go y tuer. Le ton. D'accord. Parfait. Ouais, meurs bleu. Hop. Il est 15h58, tu reviens toi. Pas compris. Bon. Oh my god. Eh hey, ils sont où les galères de la team Rainbow Rocket? Ah ils ont déjà perdu. Bon c'était des mercenaires mais quand même. Ils étaient sous mes ordres, j'espère qu'ils ont pas trop souffert. Laisse moi Allez, moi c'est Arthur, le boss de la team Aqua. Au moment où mon rêve allait s'accomplir, un tsunami m'a emporté et je me suis retrouvé dans ce monde. Le boss de la team Rainbow Rocket m'a proposé de rester ici pendant que je cherche un moyen de rentrer chez moi. Mais puisque je suis dans ce monde, tant qu'à faire, je vais en profiter pour remodeler un peu à mon goût. Je vais utiliser mon bon vieux Kyogre, le Pokémon Bassa Marin, pour provoquer un énorme déluge qui inondera les continents de ce monde. La vie est née d'abord dans l'océan. Étendre les mers, c'est créer un terrain propice à la vie pour les générations futures. C'est le meilleur moyen de permettre aux Pokémon et à l'humanité de prospérer. T'es pas d'accord? Je vais te fumer moi. Je te fume. Attends, t'es vraiment pas d'accord? Tu vaux pas mieux que l'autre Atelier d'être une magma. Je crois que t'as pas compris ce qui en coûte de s'opposer à Arthur Datimako. Oh là là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Lol. Oh putain, 5 Pokémon. Hippopotas. What? Il a envoyé Master Boy carrément. Ok. Hop. Botas, ça dégage. Et les dèles. Tu me laisses en changer.
Hop, changer clair. Et je peux. Ouais, tu vas te calmer, ok. Ok, Chagram. Ok, on va changer. Allez, en but tirant, mais... Hop, bon buff. Bon buff. En coup, t'es mort. Hop. Boost chimère. Parfait, Michel. Enfin, goûter. Hop. On goûte à mon niveau 61. Bien. Florizard. Attaque feu avec lui. J'ai pas attaque feu. Ça aurait été drôle qu'il y ait un gros don. Ok, c'était prévisible. Tempête verte. What? Allez, ça fait rapide. Mais quoi? Mais arrêtez! Équipe de Kamehameha. Bon, ouais, Wobbo. Tu me diras, du coup, j'ai bien fait d'envoyer un Pokémon qui avait plus de. Allez, ok, on va partir sur lui. On va dire. Oh, oh, puis, hey, il est trop stylé en Shiny! La vache! Je crois que c'est la première fois que je le vois. Ah, j'adore! Flamme bleue. Bien joué. Bien mon petit ectoplasme. Allez. Non. Oh mais de toute façon je suis plus rapide. Donc il va quand même me crever. Allez t'es mort. Je m'en doutais. Oh, il m'en donne du pognon. Le seigneur des océans réduit à la merci d'une demi-portion. Je peux pas le croire. T'as gagné, gamin. J'accepte ma défaite. Si tu veux aller plus loin dans le château, va falloir que tu examines les tableaux au mur. Il y en a un bleu et un rouge. S'il y avait eu un dresseur comme toi dans mon monde, j'aurais peut-être échoué dans ma mission. J'ai échappé belle. Lol. Ah. Du soin s'il vous plaît. Ah non. Ok, hop.
Bah je pense qu'on va faire ce côté là et puis on se laissera pour ce live. Comme ça on aura fait deux. Et comme ça prochain live ce sera le dernier. Par les pouvoirs du rouge, du bleu, du jaune, de l'arc-en-ciel. Yeah. Oh un custo. Qu'est-ce qu'il me veut? Téléfix. Et pas mort. Ouais, il est bien avec toute la semaine. Et puis, hein. Ok, j'ai tué mon ectoplasme. Bon bah Gab elle est là. Ouais dégage. Hop. Waouh. Oh je me soigne, je suis à côté, je profite. Yusma tu veux pas venir avec moi non? Pour te demander. Peut-être que tu me fais faire une petite sauvegarde tant que j'y pense. Hop. Et toi? Je t'embête pas avec moi quand je vois toi sur ce buzzer. Ok. Vert, jaune, rouge, vert, bleu. Bleu. Vert. Jaune. Rouge. Et blanc, je te fais perdre ta. Oh, fils de pute. Vert. Bleu. Bleu. Et bim! Et qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon moniteur était de courte durée. Rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, vert, rouge, rouge, vert. Jaune. Merde, c'était bleu. Et c'est échec, on l'avait prévu. Bleu. Ah putain, c'est pas bon. Bleu, vert, jaune, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, bleu,
vert, jaune. Putain. Après je sais que c'était rouge. Et après je sais plus. Je sais plus après. Eh bien Michel. Trop givre. Putain. Ectoplasma. Jaune, vert, bleu. Oh, nique ta mère! Rouge. Bleu. Putain. Tu connais la technique de fourbe? Rouge, vert, bleu, jaune, rouge, vert, vert. Rouge. Technique de pute. Alors rouge, vert, bleu. Jaune. Rouge. Vert. Bande de bâtards! Vert rouge. Ok. Gigalith. Donc vert rouge. Le pouvoir du streamer. Feu glacé. Pas de time. C'est le cheater, ouais. Ah bah j'ai pas de cheat, hein. J'utilise ce que j'ai à ma disposition. Noacier. What? Mon Scorbel, il y a le poké russe. Non! Putain, qu'est-ce que je voulais faire? Eh, j'ai pris 5000 euros à la banque du Monopoly cassé à ma portée. Non, je triche pas. Enfin, c'est pas de la triche, hein. Pas au Monopoly tricheur. Oh. Gap, monte niveau 5 ou 63. Rouge, jaune, vert, jaune. Bâtard. C'est vert, rouge, de toute façon. Vert. Rouge. Allez. Je vais me soigner maintenant. Ah bah c'est sûr, c'est peut-être ça où tu peux gagner. Ah. Oh, moi je n'ai pas de chance.
Ah oh, pas Monopoly, y'a pas qui a chance hein. Ouais, attendez. Regarde, j'ai eu Pokérus. Ouais, mais ils ont tous eu Pokérus. Presque. Merde. Le Covid arrive dans mon dans ma team. Hop. Principalement car quand tu tombes sur trois propriétaires de l'adversaire, c'est casse bien. Ouais, mais est-ce que tu sais pas tricher? Ah bah parfait. Guérison. T'as passé les pièces de dalle colorées, mais comment? Bah bon, t'iras pas plus loin. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Au vol tellement obvious ce Pokémon. Canon fleur, mais nique ta mère. Allez dégage. Le boss va être déçu. Allez dans ton cou. T'es pas si nul que ça en fait. Et pas si bête. Allez, c'est à moi de tester, maintenant. Oui, je sais plus parler. Sbire, le nettoyeur. Oh, c'est celui qui nettoie les locaux. Tentacruel. Shiny. Allez. Putain, mais arrêtez d'avoir des attaques glace. Oh là là. Pourquoi ils ont autant d'attaques glace? C'est abusé. Je suis à mon niveau 64. Yeah. Hop. Oh, je perds pas mon niveau 63. Yeah. Trop nul et trop bête. Bon, ferme de soigner le Pokémon, on fonce dans le tas. Hop, petite sauvegarde. Et après celui-là, on se laissera. Comme ça, normalement, le prochain lab, ce sera le dernier. Et on aura fini cette aventure. Je pensais que cet insupportable Sobonne était revenu me casser les oreilles. Mais non, ce n'est qu'un enfant turbulent. Je suis Max, de la team Magma. J'ai été englouti dans une crevasse au moment où j'allais atteindre mon but de toute une vie. Et je me suis retrouvé ici. C'est une expérience forte, fort intéressante, cela dit. La science de ce monde est fascinante. Je compte bien faire retourner dans... mon monde tôt ou tard, mais avant, j'espère bien aider cette univers à s'approcher de mes idéaux. Et pour ce faire, j'utiliserai la puissance de Groudon, le Pokémon continent, pour faire bouillir les océans et étendre les continents tout autour du monde. Les êtres vivants sur la terre ferme pourront ainsi se disperser à travers ces nouvelles terres, sans avoir à se battre pour leur territoire. Tu peux même finir aujourd'hui. Ouais, non, mais à faire, après je vais faire des expéditions.
Cela permettra aux hommes et aux Pokémon terrestres d'enfin jouir d'une existence sans guerre. Et la définition même d'un monde idéal. Toi aussi, tu te dresses en travers de ma route. Tu ne vaux pas mieux que ce pauvre illettré de la Timéa, quoi. Je ne peux pas laisser un gamin ignorant contrecarrer mes plans. Où est-ce qu'il en coûte de défier le grand maître de la Team Backmoth? Hop, go voir un petit coup. Cisaiox. Hop. Colère. Oh non. Putain, mais quel enfoiré. Allez, la chèvre bleue. Non, PV. Oh oui, il est confus. Putain. Créfollet. Oh, le retour. C'est le pyrotechnique. Lol. Allez, défonce-moi ce créfouet. Et tout. Bien. Allez. Oh là là, engloutirant, que je te kiffe. Même si tu fais pas trop de dégâts. Oh non. Parfait. Juste chimère, parfait. Putain, mais t'es enfoiré. Meurs pas. Il est plus rapide. Bien. Yes, Max. Je vais sans changer. Yes, Max. Ok, ça va. C'est bon. Yes, il est confus. Marteau de gaz. Non.
Allez, sois confus, sois confus. Oui. Allez, crève. Oui, oui, il attaque. Shaofuin. Shaofuin, Shaofuin. Continue sans danger. Éruption. Putain, Gab. Oh. Camerupt. Ok. Le retour. Toujours aussi. Ah putain, méga caméru. Yes. Wouh. Quelle puissance. Je ne t'arrive même pas à la cheville. Le conquérant des continents, je crois, Max, se serait fait conquérir à son tour? Impossible. Comment? Comment fais-tu pour te faire ainsi obéir par tes Pokémon? Serait-ce la raison de ma défaite ou alors... Pourquoi je suis surpris? Ceci n'est pas mon monde. Mes règles ne peuvent pas y prévaloir. Si tu continues, tu devrais cette mise de tableau à ranger un peu. Le développement de l'humanité et des Pokémon passe par extension des continents. J'espère que c'est la dernière fois que nos chemins se croiseront. Et bah voilà, lui c'est fait. Tiens, Guzma qui regarde les portes là. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Oh bah il va se faire fumer. Hop. Allez, go soigner les Pokémon. Oh merde. Eh, t'as trouvé la présidente? Pas encore. Libère partout, réponse nulle part. Et où la présidente? Crachez le morceau. Même si je savais, je dirais rien. Et même si on vous disait ce qu'on sait, vous pourrez rien y faire. Oh, je peux pas respirer là quand même. Fufu. Pour traverser le miroir, il faut actionner l'interrupteur du premier étage avec une clé magnétique spéciale. Ah non, arrêtez, j'ai vraiment du mal à respirer, là, c'est pas gentil, monsieur. C'est pas souvent que je vois deux Ascars si débiles que j'aurais même pas accepté dans ma team school. Tiens, vous êtes encore là? Vous feriez mieux de vous bouger, sinon vous risquez de la perdre pour toujours. C'est qui ce bouffon? Ça veut dire quoi ça? Mais qui voilà donc, Arthur, ce hableur de poissonnerie? Tu manques pas d'air pour te jouer comme ça. Après la grosse raquée que je t'ai mise. Ah, tu veux me faire croire qu'il existe un monde parallèle où j'ai les dessous?
Oh, et pas qu'un seul, si tu veux, mon avis. Je peux te faire la démonstration ici même, si tu tiens. C'est bien la première fois que je suis d'accord avec toi, le vainqueur fera ce qu'il voudra avec cette région. Bonne idée. Eh, faut se calmer là. Vous êtes sur mon territoire, yo. Que. C'est quoi ça? Ah bah. Ouah, je capte rien à ce qui se passe. Je me charge d'eux, continue. Toi, continue à l'étage. Putain, mais c'est ridicule. Ouais, bah parfait. Oh bah on va s'arrêter là et puis on finira la prochaine fois. Je vais faire la petite sauvegarde avant de prendre une pause. Donc j'espère que ce live d'après-midi vous aura plu. Peut-être qu'on essaiera de finir ça jeudi après-midi, vendredi après-midi. Et comme ça on en aura enfin fini avec cette aventure. Ça aurait été bien sympa. Bref, je parle mais c'est pas fini encore. En tout cas, ça va être la semaine des séries finies, je pense, entre l'aventure modée, Ori et Pokémon. Bref. Du coup, j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve ce soir pour du UCH. Ultimate Chicken Earth pour les intimes. En compagnie du Monsieur PVC Sam encore, toujours le même. Et de Le Caillou alias Panda One. Les petits pandas là. Donc je vous donne rendez-vous à 21h. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et... Oui, bonjour PC Sam, c'est là. Hâte de t'incruster. Bref, je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne soirée si vous êtes pas là. Et on se retrouve sur la rediff. Allez, bye tout le monde.